En Palestine, la répression militaire israélienne et le désespoir palestinien continuent d'alimenter le cycle de la violence et de la haine. Tandis que les rassemblements de soutien à la Palestine se multiplient en France, les militants de la solidarité agissent concrètement en boycottant les produits israéliens. Un exemple avec les militants de la campagne BDS à Martigues, près de Marseille. Car nous avons envoyé une lettre au directeur d'Auchan lui demandant de retirer des étals les produits qui sont fabriqués en territoire occupé. Et les produits sont toujours là. Nous avons ici des produits qui sont des produits israéliens, donc nous demandons une boycott et de retirer des étals par le directeur d'Auchan. Nous lui avons envoyé un courrier deux fois à cette question-là, sans sa réponse. Donc ces produits-là sont fabriqués en Israël. Nous demandons aujourd'hui aux clients de réfléchir à la manière dont ils consomment. Les produits-là sont volés au peuple palestinien. Est-ce que vous achèteriez des produits volés ici d'un cambriolage? Non, car vous êtes déjà honnête. Et nous vous demandons aujourd'hui de réfléchir, de ne pas acheter de produits volés au peuple palestinien. S'il vous plaît, on laisse passer les gens quand même. Allez-y, faites passer un bon samedi, mesdames, messieurs, dans le champ. Faites vos courses tranquillement, mais on vous demande juste de réfléchir et de consommer intelligent. De regarder les étiquettes que vous consommez. Regardez bien. Car en achetant israélien, vous vous rendez complice de la colonisation. Vous vous rendez complice de la colonisation de la Palestine. Notre action à nous, elle est non-violente. On sait que c'est la guerre là-bas. Pourquoi est-ce que nos agriculteurs français sont affamés et on achète de la ciboulette made in Israël? Parce qu'elle est volée aux Palestiniens, elle leur coûte pas cher. Est-ce que la Provence ne produit pas du basilic? Pourquoi est-ce que l'on importe des produits qui viennent de terres colonisées alors que nous produisons des produits qui viennent ici, de nos terres, qui ne sont volés à personne? Le basilic, l'oseille, le thym, les herbes de Provence, les options. Pour laver leurs enfants, pour avoir besoin de l'école, pour tout. Qui a été persécuté. On a piraté son téléphone. Oui, Israël, les Palestiniens, Israël, les enfants d'Israël, de Tel Aviv, les produits sont arrivés, ils sont volés au peuple palestinien.